la carte Dragonshire, comté du dragon choisi par les Gen.G eSports, champions du monde en titre, les numéro 1 coréens qui ont choisi comté du dragon. Donc late game, évidemment, carte très late game. Il y a des possibilités, on a vu du viking hier, on a vu des choses intéressantes sur cette carte. Il y a un héros qu'on a très peu vu pour l'instant, qui peut être très fort en si bien draft, et tu le connais très très bien même, c'est Samuro. On l'a pas vu énormément. Et Wubi, il avait déjà joué. Hein. Ouais, et Wubi, il s'est entraîné avec, donc c'est possible de le voir. Alors, évidemment, si on le voit pas beaucoup, c'est parce que c'est très dur de draft, c'est très dur de le passer à l'heure actuelle. Mais c'est le genre de héros aussi qui pourrait faire très très mal au Gen.G. C'est vrai. Après, Gen.G l'avait déjà sorti aussi, Reach. Ouais. Mais c'était pas... Enfin, par rapport au niveau de Reach, j'avais trouvé ça moyen. Mais après, c'est un pick plus fort en macro qu'en micro. Ouais, il y a des plays de fou à faire, mais... Ouais, non, c'est sûr. Alors qu'on a les ban cartes aussi, donc BOE a été ban par Dignitas et Generation Gaming a sorti Valmody, intéressant, Braxis Open. Braxis Open, en tout cas on est parti. Ban côté Dignitas, Genji et Hammer. Et du côté des Generation Gaming on sort Maiev et Diablo. Ouais, on enlève le Diablo et ça c'est important quand même parce que Jay, ce Diablo, on le voyait très peu sur la phase 2. Mais par contre, dans les phases finales, maintenant là, on voit que son Diablo est très puissant. Puis on a vu de la Alors, il a aussi, même pas perdu une seule fois avec. Puisque avec Kerrigan tout à l'heure, il l'avait pas joué. Enfin, il me semble pas que c'était un Diablo. Non, il a 100% win rate sur son Donc, Diablo. Ouais, et en plus, il a joué Build Z, Charge. Ah, il joue tout. Hybride aussi. Il joue tout. Sur les phases de groupe, peut-être. Et maintenant, Tyrande. Oh, alors, pour la petite. Alors là-dessus, c'est souvent ton rayon. Mais j'ai fait des petites stats sur le Mid-Season Brawl. Sur, tu sais, les 7. 10 matchs, sur les 10 matchs entre Gen.G et Dignitas, Phoenix n'était sorti qu'une seule fois. Parce que le problème, c'est que Phoenix, contre Dignitas et contre Gen.G, c'est très très dur à exploiter. D'ailleurs, ça avait été Gen.G sur Spider Queen, mais sinon, il a à chaque fois été plutôt mis de côté, le Phoenix. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est le Irel First Pick aussi. Hein. Irel qui a un énorme ratio de win, mais généralement, Wubi, il adore jouer Blaze. On l'a vu justement sur le BO d'avant, il est excellent avec Blaze. Après, on est sur Dragonshire. Le contrôle hein, du top est très important évidemment et Irel est très très fort pour garder justement le point pendant très longtemps. Mais de là à la first pick, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un petit first pick. Irel, on en parlait, hein, elle était prise plutôt même limite dans les secondes rotations. Par contre j'aime beaucoup Diablo Jaina. J'aime beaucoup le Diablo Jaina sur côté dragon, côté Dignitas, Bantral, côté Generation Gaming. Mais j'aime beaucoup ce Jaina. Ah ben Alarak, on va respecter le Alarak de Reach. Ouais, t'enlèves la Jaina de l'adversaire aussi avec ce Garrosh. Tu prends le contre directement et évidemment ça fonctionne bien aussi avec Garrosh clairement. Il y a du monde. Il y a du monde et en plus cette fois on a les micros d'ambiance contrairement à Season Brawl donc ça va être génial d'entendre évidemment les joueurs. Oh Maltel pour Kyosha ou peut-être un triple melee, on verra. Mais c'est vrai que Anubarak pour TST et TST. Attention parce que Maltel contre Irel. Ouais, voilà, match-up gagnant. Hein. La Tracer de Poilk avec le Malfurion du coup de Zaelia. Alors, c'est un très bon pick cette Tracer puisqu'elle est très forte contre Maltel aussi. Hein. Très très fort contre Maltel. Cette Tracer elle va potentiellement menacer le gank H24. Et du coup, Maltel, on sait que quand il veut prendre un trade, il s'expose un petit peu, mine de rien, Maltel. Même s'il prend le 1 avec la Move Speed, il s'expose toujours. Et Tracer c'est très fort justement dans ce genre de situation. Et Hanzo de récupérer Hanzo Phoenix. Alors c'est pas les deux meilleurs auto-attaqueurs contre un Garrosh par contre, Terre. C'est vrai qu'on pourrait imaginer un Raynor ou quelque chose là qui peut faire très très mal. Mine de rien, y a Maltel va faire très mal bien sûr à Garrosh. Mais sinon les deux autres auto-attaqueurs peuvent être récupérés. Après Hanzo, sa survie est excellente. C'est un très bon botlaner quand même, il tient très bien la botlane, il dépouche suffisamment vite. Mais surtout, il y a la force pour les camps aussi. Et les camps sur Dragonshire ont une importance capitale. Ça te permet justement de gagner les rotations, hein, d'aller plus vite sur les points, rotate plus vite sur la mid lane, faire plus de ganks. Donc ça fait bouger très rapidement les équipes. C'est ça. Après, en face, côté Dignitas, on a de quoi faire. T'en penses quoi des deux drafts au final, côté Dig et côté Gen.G? Les deux ont des super points. Par exemple, le Phoenix va dominer plus ou moins la mid lane. Très souvent, il va avoir le contrôle cette mid lane. Il est fort contre Tracer aussi, donc même en 1v1, il va avoir cette défense contre Tracer. Ouais, Tracer peut menacer la top lane très facilement. Hanzo, s'il va trop loin sur une bot lane, par exemple, il peut se faire punir. D'un autre côté, si jamais les Dignitas prennent un wall quelque part, Tracer, c'est excellent pour aller dive. C'est excellent pour passer un wall et aller dive et tuer quelqu'un. Donc ce genre de choses, si Dignitas snowball cette partie, commence bien, je veux dire, ce pick Tracer peut faire très mal. En plus de ça, le mental,
les mains qui tremblent, côté Genji on l'a vu contre Liquid, et la foule en délire, et ça, je me rappellerai, alors, je suis désolé, je fais mon moment e-star, mais je me rappellerai toujours du témoignage de Xingxi qui avait dit, mais quand t'as la foule qui est avec l'équipe que t'affrontes, c'est tellement horrible et déstabilisant, et quand tu vois la demi-finale Liquid Genji, si Dignitas commence à prendre l'ascendant, ça peut faire mal, ça peut faire mal, même TST, qui est la rigueur incarnée, a eu des ratés de pression, ça s'est senti contre Liquid. Ouais, mais c'est vrai que TST, on le voit jamais faire d'erreur, et même contre Liquid, on l'a senti un petit peu sous la pression. La charge en ratée contre un mur. Après, voilà, ils ont eu une pause, ça c'est bien pour eux aussi, ils ont le temps de respirer. Maintenant, s'ils commencent bien le BO, voilà, le public sera peut-être un peu calme, mais par contre, si Dignitas commence très fort, c'est vrai que là, la pression peut vraiment anéantir Genji. Après, ils ont eu le cas un petit peu au MSB, donc je pense que là, ils sont peut-être plus près, mine de rien. Mais cette fois, le niveau aussi est plus resserré. Oui, clairement. Donc en tout cas, on est bientôt parti pour le duel Dignitas Generation Gaming. Et tu l'as dit, côté Dick, j'espère aussi que Poilk, ça c'est un des indicateurs, je pense, de cette game. Alors, Poilk a raté pas mal de bombes ces derniers temps. Ce sera probablement Snitch sur Tracer cette fois. Ah oui, Poilk sur Jaina. Et oui, et Snitch est excellent sur Tracer aussi. Il en rate beaucoup moins. Je le rappelle, c'est un joueur très flexible. Oui, 12 picks sur 16 en tout cas. On est parti dans cette grande finale, mon cher TRQR. Et on espère que la foule fera du bruit pour Dignitas comme pour Genji, bien entendu. Même si c'est vrai que notre cœur tend un peu plus pour Dignitas. Beaucoup plus. Beaucoup plus. On veut que cette carte, enfin vraiment l'histoire, même Genji, il y aura d'autres trophées à remporter. En tout cas, on est parti. Les Generation Gaming contre les Dignitas, le duel de titans qui va commencer. Et on va retrouver Jay, notre français sur Garrosh. Wubi, l'homme incroyable de cette demi sur Irel. Poilk sur Jaina. Snitch, l'homme à tout faire sur Tracer. Et enfin, Zaelia, le support sur Malfurion. Et du côté des Genji, on va voir, mais probablement Rich sur Hanzo, Sake sur Tyrande. Pas du tout, on inverse Rizet sur Hanzo, du coup ce sera Rich sur Phoenix, TST sur Anub et enfin Kiyocha sur Malzahar. Je suis presque très content de voir Phoenix, ça va être dur, hein. Ça va être très très dur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent le punir à l'intérieur, même si bien sûr Tracer, tu l'as dit, Phoenix c'est un auto-attaqueur donc déjà il fait des dégâts à Tracer. Il y a le E aussi pour bloquer une bombe, allez oublie en tout cas, c'est bien, directement Jay qui met de la pression. Sake aussi, hein, très en forme, on l'a vu déjà directement, Aston très bien placé. Si Genji remporte la finale, ce sera l'homme du tournoi, je pense, Sake. Attention, Jay. Oh là là, la menace tout de suite. Tout de suite, on casse le bouclier de Rich. Et TST sur la synergie d'attaque, hein, le niveau 1 de Phoenix qui a fait très très mal à Tracer. Oh là là, bien joué, Sake. Encore lui. Il voit tout. Build Q du côté d'Anzo, build de A. Ouais, il avait fait reset déjà une fois. Contre Garrosh. Mais il joue beaucoup Anzo en ce moment. C'est vrai que sur cette map, ce qui est bien, c'est que ça te rend encore plus safe pour le débouche sur la botlane. Si tu stack la range, tu vas la porter. Mais attention, la bombe. Ah, raté de la part de Snitch sur TST. Ouais, c'est le premier scarabée. Hein. C'est possible qu'il les aide en même temps, TST. Peut-être qu'il y a eu le petit mind game. C'est ça, le scarabée peut absorber la bombe vu que c'est une créature invoquée. C'est la force d'Anub. Hein. Connaît contre Liming hein, pour pouvoir absorber les missiles ou les orbes. On va dépouche très vite cette mid lane, on va pouvoir derrière rotate probablement sur la bot lane, défendre la bot lane. Zalia qui reste sur tick pour le moment dans le fourré. Jay toujours une pression, il stack son niveau évidemment aussi. Ouais, la synergie d'attaque sur le sbire qui touche avec la zone d'effet, hein, je rappelle la synergie d'attaque. 3 coups de canon automatique augmentent la puissance du canon à photons et aussi le super spread. Ce qu'a fait Genji. Phoenix qui a feinté d'aller top justement. Fait que Maltel peut toujours s'exprimer. Bien sûr, par contre, Jay prend un petit peu de dégâts, mais ça tient pour JPL, notre joueur de tank chez Dignitas et unique français hein, représenté sur ces championnats du monde. Il y en avait souvent par pair, et là, c'est malheureusement le seul. Attention, Wubi. Ah, Wubi! Wubi, le stun qui a été mis, Wubi, il va essayer de s'escape! Non, ça marchera pas. Premier sang pour les Coréens, Generation Gaming. Qui ouvre le compteur avec ce kill sur Wubi, tu l'as dit, hein, on pouvait menacer. 4 personnes pour Wubi. Ah, attention, ça aussi on l'avait vu hein, au MSB. Hein. Je sais pas si tu te rappelles. Le focus, le Tempest énormément et de focus sur Wubi. Et là on a vu le chemin de fuite, hein. Il a essayé de passer par le bas parce qu'il a vu qu'il allait mourir, il y avait trop de dégâts et il voulait justement se rapprocher de son Malfurion le plus vite possible. C'est intéressant, on a très très peu vu de Groot sur ces phases de championnat du monde.
que ce soit les phases de groupe ou les phases finales. Et là c'est le Groot qui récupère par Zali. Alors pour toi ce serait quoi, Théa, pour les dives? Justement dans l'idée d'aller très très loin. Peut-être les dives, absorber des Q-spells d'Anzo peut-être aussi, ouais. Après Tiens. La vision peut-être aussi. Mais bon, ouais. Gaspiller un haut pour la vision, c'est quand même. Pour les dives, c'est peut-être intéressant avec Tracer quand même. Ouais, pour permettre à Jaina, Tracer d'aller loin. Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'anti-heal, beaucoup de routes allongées aussi. Ils sont excellents. En tout cas, pour l'instant, les Dignitas qui bougent pas beaucoup sur la map. Non, c'est vrai. Peu de temps. Attention, Rich. Attention, oh Rich. Oh, bien joué, TST. Super protection qui a bloqué. C'était du coller marquage à la culotte sur le Garrosh pour pas que Garrosh puisse attraper le Phoenix. Très très bien fait, très bonne défense de TS. Attention Ubi, attention Ubi, le stun qui a été mis, il a encore son Ubi. Oh, il a raté le bump, attention. Il a le Ubi, ça va aller. Attention Jay, le Q qui touche deux personnes. Et on va défendre top lane, mais attention quand même. Ah, Ubi. Par contre on a vraiment envie de tuer Ubi. Hein. Jaina aussi qui a pris très très cher sur son échange avec Rizet. Hein. Rizet qui a mis quasiment 3 quarts PV la Jaina. Attention Anub mid lane. TST. Il a son E. TST. Non, il a pas son E. Bah, peut-être pas la bombe s'il avait son E. Il avait son E, mais pendant ce temps Anzo qui tombe. Super. Ça c'est bien. Surtout que ça deny énormément d'XP sur cette voie du bar. Très très bonne phase. Il a dû avoir un super route de Zalia, je pense. Probablement. Ça. Attention, Maltael. Tracer n'a pas de bombe. Lentil, demi par Kyosha avec son niveau 7. Alors on veut essayer de prendre le Drake, j'ai l'impression, parce qu'il a laissé le hard camp. Ubi, ouais, ce qui fait qu'on veut jouer le Drake. Super, ils viennent d'annuler je sais pas combien d'XP là. Parce que depuis tout à l'heure Anzo est mort. Le Root qui empêche Anubarak. Il y a potentiellement un dragon, attention TST. TST, Jay, ça tient. Et en XP on revient hein, malgré cette pression qu'avait mis Genji top. Forcément on a coupé les vannes. Et celle de Saki depuis tout à l'heure. Attention Poil. Bon Poil, ouais, dans la mêlée de Jay. Pour assurer, attention Reach. Oh là là. Qui va pouvoir transfert. On sent la tension dans cette première game. En même temps, tellement d'enjeux entre ces deux monstres, entre ces deux titans de la scène e-sport d'Heroes of the Storm. Et pour l'instant, c'est assez serré, mais on sent Dignitas qui joue un peu plus passif pour l'instant. Ouais, Genji un peu même plus là, alors, ils veulent tenter quelque chose top, mais Kyosha est pas bête, voilà, il reste derrière son mur pour l'instant. C'est fou ça, parce que on pourrait se dire, il reste juste normal, pour sortir TSI, ça va aller. Mais depuis tout à l'heure, il gagne son match-up et il met de la pression, et là, il doit reculer justement. Donc. Après, Wobby se défend très bien pour l'instant. Oui, parce que c'est un match-up perdant normalement pour Wobby. Après, c'est surtout le 10 qui est horrible. Parce que voilà, c'est combien de CD de base? Extrême onction, c'est 65, je crois. Quelque chose comme ça contre 120 secondes. Donc forcément, c'est pas trop cool d'échanger les ultis. Parce que ça, tu peux te dire, bon, il y a extrême onction, je vais claquer mon R, mais le problème, mon absorption, le problème, c'est que derrière, il va l'avoir plus vite que toi. Elle a un truc qui est en wave clear, pas de problème pour Jaina. Oh, vous voulez aller chercher Poil, mais lui aussi ne se laisse pas avoir. Et attention, on va casser le rota. Ouais, voilà, TST. Jay. Ouais, c'est bien senti encore une fois. TST. Stun de Saki. Hein, on désamorce tout depuis tout à l'heure. Il y a eu deux kills quand même qui sont passés, mais il y a beaucoup de tentatives. On désamorce énormément. Peut-être un premier dragon, Generation Gaming qui possède. Non, on va récupérer top. Bot. Par contre, attention top, hein, pour avoir un Tracer kill. Tracer qui cut, c'est bien ce que fait Snitch. Par contre, attention IRL. Hein. Attention IRL, non, il aura le temps. Il a la monture au niveau 7. Hein. Ouais, ça c'est excellent. Pas le froid divin. Il a raison parce que c'est vrai que pour l'instant, il a pris très très cher un Wobby dans ce début de partie. C'est normal. Il a perdu son wall, il s'est fait tuer une fois, il s'est fait gank trois fois, quelque chose comme ça. Malfion qui ne montre pas son niveau 10 pour le moment. Tranquille ou silence. Silence qui, ma foi, pourrait être excellent. On a vu beaucoup de tranquilles sur ces championnats du monde. Sinon, point de quantique, ardent défenseur, taunt élémentaire. Hein. Important, évidemment. Pour Silence, ce serait bien peut-être juste contre Maltel, peut-être, mais. Après, Garrosh, c'est très fort. Anub aussi, si tu l'attrapes. Parce que t'as Garrosh, c'est vraiment fort. Parce que t'as la purge aussi, hein. Pas oublier. Hein. Donc, il va falloir être très précis. Hein. Attention. Et je transfère, mais il y a Jack qui va l'attendre. Oh, dommage. Le un tout petit peu trop loin, il y avait le sbire. Attention. Parce que du coup il a pris la flèche qui a été absorbée. Jay ça tient pour le moment, c'est Elia qui met le silence dans la mêlée pour reculer Stitch. Oh là là, Stitch pour repartir. Poil, attention, Poil, ça tient pour les joueurs de Dignitas qui ne tombent pas là-dessus. Oh, attention Jay. C'était chaud hein. Attention Jay. Ah mais c'est là s'il le chope par contre. Ah s'il le chope c'était GG. Ouais mais c'est aussi parce qu'il a été loin, que ça se retourne contre lui. Évidemment. Donc
Faire attention. Oh, où t'es mis? Attention. Oh là là, encore une fois sur un scarabée. Tiesti, malin, qui a attendu avant de spammer ses sorts pour essayer d'absorber. Attention, Rich. Ça tient. Et de l'autre côté, extrême onction, cocon. Salle de purification, la flèche du dragon, évidemment. Et on est parti pas sur les météores. Voilà. Pas sur les météores. Faut pas oublier un late game de Tracer aussi, encore une fois. Et de Jaina, hein, élémentaire. C'est vrai. Mon cher. Élémentaire, muet d'hiver au vin, monstrueux. En tout cas. Sachant que côté Genji, Phoenix c'est pas terrible en late game. Enfin, c'est l'un des auto-attaqueurs qui scale le moins, je dirais, sur ses talents. Après Hanzo, hein, qui toujours a cette capacité de faire les camps. La force de Phoenix, hein, contre Tracer. Sur Ubi. Ubi, top lane, on cut. Il y a une bataille sur trois fronts. Ubi qui est obligé de reculer. Le problème, c'est Genji, hein, qui gagne à ce jeu-là. Phoenix comporte bien contre Tracer. Maltel très bien contre Irel. Et du coup, le côté top est. C'est quasiment impossible à. Ouais, puis tu peux pas envoyer Jaina bot. Tu peux pas envoyer Jaina bot parce que c'est le meilleur moyen de te faire grand. Il y a Wubi qui va y aller. Enfin, maintenant, voilà, c'est Wubi. Attention, peut-être. Oh, la flèche elle est belle, la flèche elle est belle, la purge qui touche pas Snitch, mais ça va, on peut en faire rien. Wubi, le flanking, il a cancel. Il a cancel. Oh, il a cancel Rich. Le kill. C'est qui a pris l'extrême onction par contre qui a passé sur Garrosh. Garrosh qui tombe. Le cocon. Attention, la bombe sur Kyoshak. Kyoshak qui tombe. Ouais. Kyoshak qui va tomber sous les coups de Snitch. Welk qui tient pour le moment. Wubi. On relance l'agression sur TSD. TSD qui tombe. 3 pour 1 pour Dignitas dans un teamfight tellement serré. Terre. T'as vu Wubi ce qu'il a fait? Il a feinté bot pour. En fait, il a même pas feinté, il t'es pas vu. Il a sauté au-dessus du mur au début pour aller en dessous. Moi je pensais qu'il allait prendre l'hôtel, mais non, en fait il a juste flank, il a complètement surpris les Genji. Attention Wubi, attention Wubi. Il n'y a plus d'ardent défenseur par contre, il n'y a plus d'ardent défenseur Wubi. Ah, Izet, attention, il a plus Il est reparti avec le pal froid, ça va tenir. Ça va tenir. Pas de dragon par contre pour Dix, ça c'est le petit bémol de ce teamfight, mais 3 points. C'est pas fini, parce que là ils vont récupérer top. Tracer va pouvoir peut-être cut un petit peu la rotation. Elle y est, prend l'info. Garrosh aussi, attention, Saké. Oh là 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 là. Le cut qui passe pas, mais dans tous les cas, c'est un dragon pour Dignitas. Ouais, c'est un dragon pour Dignitas. Wubi, encore une fois, très chaud sur ce match. C'est lui qui est l'élément déclencheur, encore une fois, sur Steam Fight. Jay qui, malheureusement, bah, on le savait, hein, Maltael, il est là pour ça, il est là pour tuer Jay. Et en tout cas, dragon, on ouvre mid. On va ouvrir bot, on va récupérer les tours qui sont importantes, bien entendu, puisque ça offrira de l'espace pour Tracer. 4 tours avec ce premier Drake. C'est dans ces moments où t'aimerais l'ancien scaling des tours. 3 niveaux d'avance, c'est bon. Avec les 4 tours, mais ça marche plus comme ça. Maintenant c'est l'effort et ça va changer en plus pour 2019. Et Kyosha, attention, y'a Irel qui arrive, Ouais, on va lancer Zalia, c'est bien joué le route. Kyosha qui va essayer de prendre un trade, qui le taunt, peut-être la flèche qui est pas mal. Kyosha. Il veut pas mettre le silence. Ouais, non, ça aurait pas suffi. C'est bien senti. Sinon, par contre, pendant ce temps, Tracer, Snitch, l'extrême option. Oh, il est mort. Et il est mort, malheureusement, bien réceptionné par Kyosha. Mais c'est un fort qui va tomber. 4 tours ouais. Et un fort. Par contre, ah ouais, mais à la sortie de dragon, ça va être compliqué. Hein. Il est mort. Il est mort, Walt. Ça reste worse, je pense. À toi de me dire. Ça dépend, parce que là, ils vont pouvoir faire le hard camp, ils vont peut-être pouvoir siéger un petit peu bot. Jaina, c'est le dépush majeur quand même de Dignitas. Donc il y a moyen qu'ils arrivent quand même à gratter un wall. Pas forcément évident, mais c'est sûr que le dragon a quand même fait très mal. Premier Drake impactant. 2 kills quand même pour Genji. Tu l'as dit sur hard camp. Un Anubarak. Ah là, on est déjà en train de prendre le wall bot. Et ça, les côté tours. Genji. Et ça pour Jaina, c'est plus compliqué parce qu'avec ses tours, elle peut tenir bot. Sans les tours, maintenant elle peut plus hein, s'avancer comme ça. Et là, on voit l'XP, hein, ça reste très serré, Malga. Attention, Drake qui se fait cancel, Snitch qui tente. Les petites zizou au milieu de TST. La chouette qui touche Aelia. Ouais, on va protéger ST1 pour le moment. Mais c'est pas fini. Drake qui se fait perturber. Snitch. Oh, Zalia! Oh, c'est bon! Ça passe! Magnifique Jay, le temps à la mêlée! Sur Malfurion! Et il arrive du coup à être apporté. On a caqué les lèmes, on pourra pas faire plus! Oh, super! Et en plus, le route ne peut pas être clean, c'est parti rendre. Mais c'est oui, juste parfait! C'est juste parfait comme scénario! C'est parfait, elle ne peut plus, avec le rework, elle ne peut plus purifier, enfin plus purger avec ce niveau 1. Les routes, et c'est pour ça qu'on voit Arthas énormément revenir aussi.
Oh là 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 là, superbe, attention, on conteste, attention hard. Le cocon, l'incensi, le taunt, on va même virer. Ah, il a pas pu prendre. Attention, l'extrême onction, il est mort. Il est mort, ça coûte cher. Ça coûte cher cette invasion, c'est ce qui est pas bien. Le silence, superbe, sur Malten, Malten qui devrait mourir. Avec ce silence, oh, ça tient, ça tient. Ça tient, qui a sauvé. Kyosha, Kyosha, le kill qui est pris. Stitch, faut pas tomber sur deux Stitch. Voilà, c'est bien. Zelia qui remonte un petit peu tout le monde. Ouh, c'est chaud parce qu'on était quand même en 5v4. Ce Malten fait tellement mal. Y a pas, y a rien, y a pas de bunker, y a pas de divine shield, enfin y a rien. L'extrême action fait tellement mal ici. Depuis combien de 3, 2 kills qu'il a pris avec. Je crois que c'est 3. C'est 3, hein. 2 fois sur Garrosh, une fois sur Tracer. Et oublions pas qu'à chaque fois qu'il prend un kill, il réduit le temps de recharge de l'extrême action. C'est ça. Et puis contre. Oui, y a pas de réponse pour l'instant. Garrosh prend l'ice extrêmement block cher. Pour Jaina quand il sera stack, mais c'est tout. L'ardent défenseur, mais c'est 120 secondes CD. C'est tout. Du coup, Garrosh, Tracer a le recall. Tracer a le recall aussi. Ouais, mais le problème c'est Garrosh en fait. Garrosh, c'est Garrosh qui a énormément c'est lui de, qui va de mal à s'exprimer ici. C'est ça. C'est pour ça qu'il est dans la mêlée tout le monde. Vas-y. Vas-y mon gars. En tout cas, on a une petite avance du coup pour JJ malgré ce kill qui a été pris bot, ce contest hard camp qui s'est mal passé. Hein. TST qui a très bien tempo. Après, on pourrait se dire pourquoi ils invade comme ça. Ils veulent aller chercher le port-top, récupérer l'XP là où il y en a. Comment va réagir Dig? Est-ce qu'on cut? Ubi qui veut bloquer. Il y a le flank de Garrosh. Attention, reset. Reset qui est en retard. Il arrive en monture, Jay. Oh, il a pété. Attention, Jay. Le stun, l'incensi qui est claqué. Voilà, très dégâts. Il y a l'extrême onction encore. Attention. Ubi sur le flanc. Oh, pendant ce temps, Kyosha, le silence, il est beau. Est-ce qu'on pourra prendre le kill? La bombe est passée. La bombe qui passe. Le spell shield. Le niveau 1 Tyrande qui sauve Kyosha. Attention, Reach. Reach. On n'a pas réussi à cancel le transfert. Walk qui a pris cher. Ça suffira pas. Mais... ce saké m'énerve, j'en peux plus de saké. Tu peux pas louper. Non mais... mais il a pas, mais en plus il a même pas l'armure magique. Ah en plus. Mais c'était. Ah le 13. Non, c'est pas le 13 de Malten. Regarde. Mais c'est le 13, l'armure magique, c'est ça. Wubi, ça va tenir pour Wubi. Oh, ah, rien du tout. Bien joué, Zaelia qui tient le route et bon. Oh aïe, Tyrande qui snipe. Une nouvelle fois dans la mêlée pour protéger Zaelia. Attention, Poilk. Synergie d'attaque, Poilk qui tient. Jake est pas bien, va essayer de bloquer sur la synergie. Oh là là, le mille-flèche de reset qui punit. 3 kills pour Genji là-dessus. Un niveau d'avance et probablement un Drake. Ce niveau 13 de Malte, tu as raison. C'est parce qu'il a plus urgence, hein. C'est la purge. Ce niveau 13 de Malte, ça se joue à rien du tout. À rien du tout. La différence c'est qu'on arrive à finir le Maltel. On n'arrive pas à finir le Maltel et par contre de l'autre côté on a réussi à tuer Boubi. Ah c'est... mais Saké il rate rien non plus, il rate rien. Encore une fois le snipe hein, sur Wubi. Ouais. Et là on va gratter de l'avance malgré le niveau 20 qui va arriver très vite avec ce dragon. On va prendre 2 T1, enfin non 1 T1, c'est vrai qu'on a déjà récupéré le top. Mais encore une fois Dignitas c'est un late game très très bon hein. Tracer, Jaina, ouais, avec mais c'est son pour niveau ça. 20. Kyocha, c'est pour le ça. Le silence de Malfovin. Le silence de Malfovin qui pourrait être très très playmaker. On a vu Zaelia très bien l'utiliser. Wubi qui esquive le stun. Ah, parce que là ça va être un moment difficile hein, pour Dig. On a une Jaina quand même pour dépush. On a une Tracer. Hein. Ça dépush très bien un dragon. Surtout avec le ricochet. Hein. Ah oui. Ah, tu veux se servir même des autres joueurs pour atteindre le dragon. Ah, c'est ou surtout du si quelqu'un reste derrière le dragon. Ouais, voilà. C'est ça, c'est surtout ça. Dans les deux cas, ça poke en fait les mecs qui restent à côté du dragon. Ouais, par contre, Jaina très fort avec l'exposition d'or aussi. Hein, le 16, Wubi, oh Wubi, Wubi. Est-ce qu'on pourrait attraper? Est-ce qu'on pourrait attraper Rich? Attention, Wubi. Il y a l'ardent défenseur, le cocon demi. L'ardent défenseur qui est forcé. Il va repartir. Attention, Jay. Attention à la sortie aussi pour Jay. Attention, Jay. Kyocha, Kyocha, Kyocha. Oh là là, l'extrême onction qui passe. Le silence qui est mis. Mais on n'arrivera pas assez trop tard. Salle de purification qui prend le kill. Doublé pour Rich. Ah, ça sent la fin par contre là. Là, ça sent le 1-0 pour Generation Gaming. Ah, c'était très ballsy ce qu'ils ont tenté au final cette fois-ci. Ça a été catastrophique cet engage. Mais si le silence passe sur Maltel, ça aurait pu changer. Hein. Le problème, c'est qu'il n'a pas silence, Zaelia. Après, c'était ballsy hein, de la part de Jay. Il savait qu'il n'était pas bien. C'était pour se protéger aussi. Et sans on un exploit, non, il va mourir. Ouais. Il ne peut rien faire là-dessus. Et en plus, il stack l'extrême onction. Oh, ce Maltel. Ce Maltel, c'est tellement. Oh là là, ça qui encore. Encore. Oh là là, le mille flèches qui passe pas. Après, ils mettent du temps. Hein. C'est un Maltel, c'est naze sur les structures. On n'aura pas le temps, Stitch résonné, non, ça va être la 10 game. Secondes, 10 secondes sur Garrosh, c'est trop long. C'est la destruction de corps la plus lente que j'ai jamais vue, mais malgré tout, ça suffit. Genji, incroyable. Et la petite douche froide en termes d'ambiance, forcément. 1-0 pour Generation Gaming, on a vu que ça se
Ça se joue à des détails, TR, et ce Maltel aura fait mal. Aura fait très très mal. Ouais, ce pic Maltel aura vraiment trop fait mal, j'ai envie de dire. C'est... Et ce 13 de Kyocha aussi. On le voit pas souvent, mais surtout quand ça passe, on va voir l'incensi. Mais là non. Non, il a trust les cleans, il trust les cleans justement de les purges de sa Tyrande. Et derrière, bah, il prend le spell shield pour être sûr de jamais mourir sur une bombe de Tracer. Et en plus, il n'est pas simple à utiliser. Bon, là, sur une bombe de Tracer, ça va, mais faut pas oublier qu'il donne de l'armure magique. Mais contrairement aux autres boucliers anti-sort qui s'activent au moment, en fait, bah, tu l'actives et boum, t'es protégé. Celui-là demande 2 secondes avant l'activation. Donc, il faut pressentir le truc pour pouvoir en bénéficier. Donc, bon, là, avec la bombe, c'est plus simple parce que tu vois que le mec te la colle. Bon, bah, tu actives avant. Après, ça doit jouer à pas grand-chose de toute façon. Non, mais rien que le choix de talent. Rien que le choix de talent est vraiment bien senti. Et c'est vrai que c'était une menace. Deuxième carte, Generation Gaming avait perdu contre Liquid dessus. C'est Tombe de la Reine Araignée. Par contre, on a vu Dignitas tout à l'heure souffrir contre Miracle. On sait que c'est une bonne carte pour Dig. Mais attention, parce qu'il y a 1-0 maintenant. Si cette game est remportée par Genji, ce serait balle de match. Et ce serait 3 balles de match en plus pour les Coréens. C'est une map qui a été ban aussi contre Genji par d'autres équipes. Je me rappelle, hein, c'est une map qui a quand même été ban. Donc les Genji à l'heure actuelle sont très très chauds justement sur Spider Queen. Et je pense qu'ils prennent... Ils prennent de toute façon cette carte parce qu'ils ont vu Miracle Dig aussi. Ils ont vu Dignitas souffrir contre Miracle. Et ils veulent prendre la forme du moment. En tout cas, tout à l'heure, Dignitas aussi avait mal commencé son BO. Même au mid-season. Alors, c'était qui avait choisi Spider tout à l'heure contre Miracle? C'est Miracle qui avait choisi la carte. C'était Miracle? Je crois. Hein. Je crois que il y avait Miracle. Le first pick. Ah oui, parce qu'ils ont pris Genji. Ouais, c'est ça. Puisque Dig avait pris Genji. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, là, cette fois, contre eux, t'as vu, ils bannent le Genji. Ils ont même pas envie de le first pick, tu vois. On n'a pas le même plan de jeu que contre Miracle. Exactement. Diablo Mayhem en tout cas de sortie. Tyrande, I need you. Et JPL évidemment derrière. Superbe en tout cas. Voilà, Diablo Mayhem de sortie par les Generation Gaming. Et les Européens qui sortent Genji et Garrosh. First pick, Tyrande pour les Européens. Ouais, Tyrande. Quand tu vois Saké en même temps la jouer. Tu m'étonnes que c'est super fort. Parce que. Le mec il rate aucune purge, il garde ses heals à chaque fois pour purge. Quand c'est à un tel niveau, ce niveau 1 est tellement fort. Les chouettes, les stuns, le mec il arrive à rentabiliser tout, à optimiser. Et non, mais c'est... Il rate aucun stun, il sait même pas pour follow DCC, c'est tout le temps des stuns en plein mouvement. Ouais, des fois il cut une rota, ralentir la rota, mais il anticipe tout. Après Zalia, et... on a probablement les deux meilleurs supports du monde en ce moment. Et un pick comme Tyrande, c'est pas. Voilà, c'est pas. Des fois il y a des picks supports un peu tristes. Où les plays sont pas forcément faisables. Là avec Tyrande tu peux clairement les faire. Hanzo et des cartes qui a une côté Gaming. Voilà, le Blaze il est là pour Dignitas. Il a totalement gagné hein, tout à l'heure contre Miracle. Et Raynor pour Dig. Ouais, alors c'est vrai qu'il a eu 3-0 contre Miracle tout à l'heure, le Blaze. C'est ça. Ouais, il a tout le temps gagné. C'est vrai, il a tout le temps gagné avec Bobby. Donc on va voir s'il va crier bunker et gagner les fights juste en criant son bunker. C'est un peu ce qui s'est passé tout à l'heure contre Miracle. Hein. Deux levels d'écart. Bunker derrière contre engage et on écrase Miracle après ça, c'était juste incroyable. Et c'est vrai que Raynor aussi c'est la valeur sûre à l'heure actuelle. Bon, il est à 50% win rate, même un petit peu en dessous à l'heure actuelle. C'est ça, c'est jamais mauvais. C'est vraiment le. Il y a toujours mieux, mais le mec il fera le taf. En fait, c'est le plus flexible. C'est le plus flexible. Raynor, à l'heure actuelle. Il est pas flexible. Enfin, il y a plus flexible. Mais le problème c'est que Phoenix par exemple.
Bah, il est beaucoup plus dur et il est beaucoup plus facile à punir. Bah oui. Il est plus flexible. Bah ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, flexible ouais. Dans le sens où lui, bah, par exemple, bah, dans en tout fait, le truc, optimum. Ça dépend des méta, globalement. Et là, on a encore un peu d'écart. Hein. Par exemple, là, il y a un écart Kayn. Et forcément, Raynor, c'est très fort qu'on écart parce que ça tape très fort sur la frontline. Mmh, après, évidemment, il y a d'autres héros aussi qui ont subi des changements. Phoenix, qui a eu quand même pas mal de nerfs, mine de rien. On a des carrés comme ça qui sont un petit peu redescendus. Et Raynor reste toujours. Très bien en fait, il est entre tous les héros, il est très bien, il peut un peu tout faire. C'est un peu le Rengar qu'il y avait en sup pendant un moment, tu sais, qui était dans tous les domaines, il marche en fait. Ouais, c'est ça. Il est... Parce qu'en wave clear, il y a mieux, en DPS, il y a potentiellement mieux et tout, mais il est bien dans tous les domaines. C'est le Rengar des assassins distance en fait. Tyrell et Léoric en tout cas de récupérer côté Genji. C'est bien, il a de la voix. En tout cas. Oh, Gul'dan et Muradin! Muradin pour Jay le Murat qui a quasiment disparu sur ses phases finales. Et qui est à 30% de winrate, hein, Muradin pour l'instant. Mais on c'est l'a. Pas Jay. Voilà, c'est ça, c'est pas Jay. Tu l'as dit, et là c'est pas un Murat qui a été pick directement. Hein. C'est un Murat qui a été bien réfléchi. Oh, oh là 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 là! Le Alarak de Rich. Le Alarak de Rich qui fait peur. Qui fait peur parce que il est aussi sur 100% winrate, hein, le pépère avec 4 wins, je crois. Sur ses championnats du monde, c'est possible. Ouais, je crois qu'il a 4 wins. Après, il a transpiré contre Liquid. Hein. Il a clairement transpiré contre Team Liquid. Mais c'est aussi sur une télékinésie que Sport Billy se fait bloquer, se fait attraper. Et on connaît l'histoire, on était à ça. C'est pas deux doigts, c'est un doigt d'avoir Liquid en finale contre Dignitas. Mais. Il y a eu cette télékinésie sur les 7 frappes de Karazim. Et il avait aussi joué sur Dragonshire où il avait juste carry la game. On l'avait mis MVP d'ailleurs sur cette partie, hein. Je te rappelle, à chaque fois il ramenait tout le monde dans Seven Strike. Est-ce qu'ils avaient gagné sur Volskaya dans les phases de groupe avec Il y avait oui, t'as raison. Il a bouffé 3 Alarak gagnant. Ouais. Assez dur. Hein. Ah là, t'en penses quoi d'Alarak? Le reach est mal passé. Je me rappelle en plus qu'il y avait des questions sur le Summit eSport. Ça remonte au début d'année. Et les Liquid disaient voilà, Alarak. C'est pas terrible. C'est assez épicé, un coréen, de toute manière. Donc, ouais. Forcément, c'est vrai que le Alarak il fait très très mal. Il est mal passé. Et de toute façon, ouais, j'en avais parlé justement un petit peu tout à l'heure. Et c'est ce qui me fait peur. Le Alarak me fait peur parce que on en voit pas tant que ça. Et du coup, c'est plus dur de s'adapter. Parce que t'as pas le temps en fait. Tu peux pas tout analyser. Move. Sur c'est un ça. Move, il punit l'adversaire. Et Rich, le problème, c'est que bah ouais, il a cette réputation d'être un très grand joueur d'Alarak depuis très longtemps. Et je crois qu'il a jamais perdu avec. Je suis même pas sûr qu'il ait perdu avec. Je pense pas. Je crois pas. Je crois pas. Parce que ça, le problème c'est que voilà, il le joue depuis très longtemps quand même. Il le sort pas tout le temps, mais il le joue depuis très longtemps. Et le problème bah, c'est que. J'ai merci à LLK qui aura permis à Rich de dire ouais pourquoi pas moi pourquoi je le jouerais pas aussi en tournoi. En tout cas TR, ne l'oublions pas, mais il y a 1-0 pour Generation Gaming. Alors Dignitas a très souvent attaqué des matchs menés, même si on disait voilà qu'il. Ça fait un moment qu'ils sont invaincus. C'est vrai que contre Miracle, ils étaient aussi menés 1-0 et finalement ils ont réussi à renverser la tendance. Maintenant, le draft de Generation Gaming. Moi j'aime bien ce Gul'dan aussi du côté de Dignitas qui peut faire mal au Generation Gaming. À Deckard Kayn. Deckard ? Non. Même le Alarak, quand il veut placer ouais, des combos, etc., il peut être à l'arrêt. C'est sûr, mais t'as cette Counter-Strike aussi hein, qui te permet d'avoir une self-cleanse entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une cleanse. Mais bien timé sur un Fear, ça détruit les rêves du Gul'dan. Hein. Ouais, donc il va falloir être vaillant évidemment côté Dignitas, mais on n'en attend pas moins. C'est une finale de championnat du monde. Et il faut soutenir évidemment les Européens avec Jay sur son Muradin Wubi, sur le Blaze gagnant, Poilk sur Gul'dan Snitch, sur Raynor et enfin Zaelia que l'on retrouvera sur Tyrann. Et du côté des Genji, on aura Sake sur Deckard Kayn, Kyocha sur Léoric, TST sur Tyrell. Alors Rich sur Alarak et encore Reset sur Hanzo. Reset qui joue beaucoup Hanzo. Hein. C'est le gros changement qu'il y a eu globalement. Mais parce qu'avant. De toute façon, Reset joue. Oui, bah évidemment. Mais c'est vrai que Rich avant. Reset et Rich généralement ils s'échangent parfois les picks comme ça. Mais Rich a tellement joué mais des millions de fois Hanzo, il était tellement fort dessus. Et on vient de nous confirmer qu'il est invaincu depuis pas rien, tout simplement. Attention, côté Genji, l'early game aussi, hein, les rotations sur Gul'dan. Et aussi, c'est vrai que Gul'dan, on n'a pas trop parlé, mais il avait été ban côté Genji. Et il avait fait mal, hein. Azu avait fait très très mal à Genji avec son Gul'dan. Au final,
C'est deux piques. Attention, Snitch, Snitch qui a pas peur. Oh, Snitch. Stun. Attention, il est mort, il est mort, il est mort. Il a voulu rentrer beaucoup de dégâts. Il a un trophée. Il a un trophée. Il a rentré énormément de dégâts sur Rage justement et Reset. Mais le problème, voilà, c'est le route de Descartes qui a fait la différence. Ça qui est encore une fois l'initiative d'un très beau CC. Et on va voir maintenant comment. Par contre, j'ai hâte de voir le Gul'dan, parce que c'est vrai qu'il a posé des problèmes à Genji's Gul'dan. Mais c'était Azu Ops, hein, c'est pas le meilleur Gul'dan qu'on ait vu. Alors il est excellent, bien sûr, hein, Azu. Après, on peut. Il y a un mauvais côté aussi hein, qu'on peut en parler, hein, c'est contre Miracle. Le Gul'dan n'a pas du tout fonctionné. De poil. C'est vrai, de poil. On a eu plus de mal, on le disait. Voilà. Oh là là! Tyrael! TST! Oh le poke de Reset! Et TST qui va finir derrière Gul'dan. Attention à cet early, attention à cet early côté d'Unitas qui est désastreux. Et Generation Gaming qui attaque très très bien cette série. Jay qui essaye de cut la rota mais on l'anticipe très bien. Tu vois, je voyais un Stitches moi côté Unitas. On a besoin de. Oh, que chat, ça qui prend cher. Je voyais un Stitches en mode on a besoin de ça. On peut surprendre. Alors... sur Spider, il aimait beaucoup en plus. On va voir peut-être sur d'autres cartes hein, potentiellement pour avoir des. Pas des... C'est pas vraiment des cheese mais des compositions très. Oh là là là. Pas grand chose. Hein. Les compositions très axées macro hein, de la part d'Dintas. On pourrait voir ça sur des plus grandes maps. Parce qu'on sait que Dintas est capable de nous sortir ce genre de choses. Après, ils aimaient beaucoup sur. Ils aimaient beaucoup sur. Sur Spider Queen, mais aimaient beaucoup sur Spider. Ouais, non, c'est. Je suis d'accord avec toi. Le Stitches. Ouais. Le Stitches marchait très bien sur Spider. C'est sûr que c'est un bon pick sur Spider. Mais on peut avoir encore d'autres choses. Hein. C'est vrai. Je veux dire, au-delà du Stitches, des compositions très axées macro. Avec des Medivh, etc. Bah, Medivh, il va être tout le temps ban, de toute façon. Mais même des Samuro, des Vikings, pas mal de choses. Et puis le Abattur aussi. Hein. Il a pas été ban là. Hein. Il y a Maiev, Jamie. Alors. Et ensuite, ils ont ban. Genji et je sais plus. Du Maiev, Diablo, je crois, de ban côté Genji. Parce que Genji était ban par Dignitas. Ouais, mais là ils avaient besoin du Fear, du coup ils ont pas pu partir sur le Medivh du coup. Ils avaient besoin du CC hein, ouais, supplémentaire pour le finir hein. Le Descartes Kane. Et le Wave Clear qui l'offre un Gugul. Comment on l'appelle Gugu, bien sûr. Gugul, hein. Dans le Conseil des Ombres on l'appelle comme ça. Attention. Wubi qui tire bien contre Kyosha. Pas un match-up simple en plus, un Léoric pour Blaze. Mais c'est Wubi, c'est pas n'importe qui. Même CRL tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est quand clair. Même bien. Contre Maltel, c'est que des match-up défavorables hein, pour Wubi. Allez, le hardcamp qui est quasiment terminé côté Dignitas, et d'ailleurs on va le timer. On va attendre. C'est pas bête, on veut justement laisser le hardcamp peut-être de Genji. Et derrière, non, on va le prendre directement. Oh, 43 gemmes de poser, ça par contre ça coûte cher. 43 gemmes déjà pour Genji. Hein. Premier paiement qui pourrait faire très très mal. Après on a dû laisser des espaces pour aller faire ce hard aussi. C'est ça, là, et les morts aussi, hein, mais de rien, les deux morts aussi. Rich est tout seul, hein. il y a deux joueurs sur le hard. Ouais, mais ils le savent pas pour l'instant. Bon, maintenant voilà, c'est en courant. Mais on a pas pu profiter. Léoric peut-être ? Non, on n'a pas pu profiter ce moment pour payer si. TR. Ah, dommage. Ils ont même pas essayé de payer encore ? Oh, voilà, c'est Wubi qui va payer au moins 17 gemmes. Ah, Jay a pu payer. Oh, Zoelia qui a voulu stun Wubi pour lui faire peur. Alors, je sais pas, il y a une épée de Tyrell ? Non, bah non, même pas. Même pas, je crois pas. J'ai pas vu ce qui s'est passé, je crois pas. Ah, c'est bizarre. C'est peut-être raté, ça peut arriver. Hein. Même à Zalia, attention le combo sur Snitch. Ouais, bien. Ah, oui, par contre, Zalia, faut pas oublier, la tyrande purifie, enfin purge les silences. Attention, Rich qui va prendre cher, Snitch qui va le repousser. Et n'oublions pas, ça purge les silences, tyrande. Mais oui. Bon, on l'a vu tout à l'heure. Ça... Les purges sur les silences. Et paiement, Léoric. Parce qu'on peut rappeler que le taunt aussi est considéré comme un silence. Hein. Léoric va payer. Premier paiement pour Generation Gaming. Qui va faire mal hein. Tout à l'heure Miracle avait eu un petit peu la même on espère que ça finira pareil. Mais alors, après ils ont un peu plus de wave clear. Ils ont ce Gul'dan cette fois, Nitas. Tout à l'heure c'était beaucoup plus compliqué. Après ils avaient Johanna aussi. Là ils ont Muradin. Oh par contre Jay sur TST, et la vitesse de déplacement de TST de Tyrell. Souvent on se demande mais oh, attention le combo sur Zalia, ça va aller. Ah, ils avaient Tyrell tout à l'heure, ils avaient pas Johanna. Hein. Ah oui, t'as raison, je confonds de game, effectivement. C'est pour ça que c'était léger. Ouais, bien joué, bon stun de Zalia. Oui, il a été ban en plus, Johanna avait été ban par les Miracles.
Qualk, ah, bonne purge. Bonne purge sur Qualk. Désolé, on a entendu le petit bruit. Léger, on l'a entendu. Ça tient pas trop mal, même si Generation Gaming ouvre tout l'effort. Ouais, c'est dur. Hein. Belle avance d'XP pour l'instant, surtout sur si Stitch. On est sur ce fort. Stitch, 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 Stitch. Jaelia qui va le remonter. Stitch, la mille flèche. Ah, reset. Ingérable, reset. Ingérable. Tellement ouais. Agressif, reset. Et ça paye. Ça paye. Je ne vais pas punir là-dessus. Et il prend le kill sur Raynor. Ils ont pas de quoi repayer. Ça, c'est le bon point. Contrairement à Miracle tout à l'heure qui avait réussi à avoir suffisamment de gemmes pour faire un double paiement. C'est ça, mais le problème c'est qu'ils vont peut-être pouvoir tenir jusqu'au 10, puis ensuite ils auront peut-être stacké suffisamment de gemmes. En tout cas, le Easy Camp qui va être envoyé très rapidement avec Enzo. Même sur le niveau 4, hein, sur le mid-page, ça va très très vite. Ouais, malgré tout, hein, malgré tout. Putain, 7, hein, chaque auto tu récupères le 1000 flèches de toute façon très vite. Oh, Snitch, ah dommage, il allait arriver pour checker. Ouais, ce camp, voilà, il y a le niveau 10 qui vient de tomber. Alors il manque encore pas mal de gemmes. Mais bon, on est à 40 gemmes, encore 15 gemmes côté Genji. Jay qui va tenir. Face au drain de Léoric Torchère du côté de Blaze, le soif de pouvoir côté Gul'dan. Le slow du côté de Raynor, l'oléage pour Muradin. Et pour Tyrande, eh bien c'est l'activation. Oh, l'ulti d'Anzo. Oh, c'est Dami qui va être content. Mais moi aussi. Non mais avec le tombeau de Léoric c'est fort hein. Moi j'aime bien ce ulti, c'est juste que c'est très dur à rentabiliser. Avec un tombeau c'est beaucoup plus simple à setup hein. C'est clair. Là on peut avoir un tombeau frappe du dragon mais faut... Et à l'arac, et à l'arac, il remet dedans. Oui, c'est vrai qu'il peut remettre dedans à l'arac. Plus les routes de Descartes aussi. Avec sa main comme ça. Le route de Descartes, les slow. On va voir, c'est un pari audacieux quand même parce que tu te prives de la flèche du dragon qui est quand même un initiateur de folie. Ouais, c'est un énorme initiateur, ça c'est sûr. Mais bon, moi j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée parce que je trouve que ça qu'il passera pas. Oh, j'espère qu'il passera pas. Attention, les petites banshees qui vont repartir. Alors, la petite banshee d'ailleurs. Corruption qui touche. Et Avatar hein, pour Jay. On aurait pu se poser la question, est-ce que Uppercut pour tenter des choses. Non, 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 ce sera Avatar parce qu'il peut parce se faire là, bloquer. S'il y a jamais y a un tombeau sur Gul'dan avec l'ulti d'Anzo, ouais, ça bouge ça pas Gul'dan. Très, très mal, ça hein. Bouge pas Gul'dan. Hein. Surtout que t'as pas le spell shield en plus sur Tyrande. Donc ça pourrait faire très mal sur un Gul'dan. Et un Raynor aussi. Bon après Raynor il aura toujours son armure, mine de rien, qui va le permettre de tanker avec son E. Allez le 4. Attention Jay qui se fait pas attraper. Mais nouveau paiement pour Genji. Un niveau des cartes, attention Jay. Peut-être un stun sur Reach. On va attendre. Allez la contre-attaque de Miss par Reach, la corruption. Le bunker demi, la frappe du dragon. Ça n'a pas été terrible. Ça a pas été... Oh Wubi qui tombe, je disais ça, jusqu'à ce que Reach le remette dans le combo et lui mette l'arc électrique qui fait la diff, le fear qui a été mis, mais c'est un fear défensif. Ah, le problème c'est que ce paiement maintenant, il va faire mal ce paiement, ma gars. Il y a déjà Léoric qui était reparti sur la bot lane, du coup le tien bot. J'avais l'impression qu'ils avaient raté le combo, Terre. J'avais l'impression qu'ils avaient raté le combo, on avait réussi à sortir du bunker sur le ouais. Combo. Mais ouais, c'était mais sans côté Reach. Le problème c'est l'engage a été raté aussi côté, ouais, côté Dignitas. La counter strike de... Ouh, Cassie. La counter strike de Rich était juste parfaite sur le stun de Wubi et ça s'est retourné directement contre eux. Là, ce qui force le bunker très tôt. Hein. Pas de fear sur cette défense, ça oh, fait mal. Oh, ça passe. Ça va aller. Le petit tag d'Engie du coup pour répondre. C'est un moment difficile hein, pour Dignitas, deux niveaux de retard. J'ai comme une impression de déjà vu, dirait Tracer. Face à Miracle, j'espère juste que la conclusion sera la même. Sur le silence qui passe sur Blaze. Ceci. Oh là là. Ah, là. Le niveau 13 hein, de Tyrell, on l'a vu ici, le trou de verre du Tyrell. On connaît toujours pas le nom. Nous sommes en plein travail dessus. Et la perversion de d'Alarak, hein, si ses alliés meurent. Encore une fois, non mais c'est pas du troll, hein, c'est pas du troll, c'est juste que le rite du Rakshir peut être très très dur à. Tu peux, en fait, c'est l'écho de Rich. Non mais c'est surtout que tu peux des fois prendre des risques inutiles pour poser ton rite du Rakshir. Et du coup. Ah mais je suis tout à fait d'accord, c'est clair que parfois la marque est pas évidente à placer. Oh attention Wubi qui prend cher, mais on claque pas le bunker, c'est important. Le tombeau qui a été mis sur Qualk qui est hors de pause. Le bunker, oh super bunker, sanctification. C'est parfait ce bunker, attention est-ce que Wubi pourra s'en sortir. Qualk, le fear sur 3 personnes. Qualk, le stun de Wubi, 2 personnes. Reach, la contre-attaque de Reach. Qualk qui va tomber, c'est sûr, il manque rien. La chouette ça suffira pas. Saki encore une fois pose la potion sur la bonne personne. Mais c'est pas possible ce Reach, cet Alarak.
il fait tellement mal à chaque fois. À chaque fois qu'on le voit, il fait beaucoup trop mal. Je pense que Liquid peut témoigner. Et le bunker était parfait. Il arrive à sortir un Gul'dan de l'entombe. Il tank complètement l'ulti de Hanzo. Et derrière, c'est pas possible, on n'arrive pas à contre-attaquer. Walk a choisi de partir vers la droite pour essayer de surprendre les Genji. C'est pas passé, dommage. Il a mis un bon Fear 3. Et on a vu aussi Jay qui a pris beaucoup de dégâts face à l'héroïque, hein, aussi de l'autre côté. Ouais, il a du mal avec son Muradin. Il a beaucoup de mal. Et c'est dur à l'heure actuelle, Muradin. C'est pas pour rien qu'on le voit quand même beaucoup moins. Sur des matchs à très très haut niveau comme ça, compliqué de s'exprimer avec Muradin. Il y a beaucoup de gemmes pour Dignitas, ça c'est le bon point quand même, ils ont pas perdu leurs gemmes. Toujours énormément de gemmes, ce qui fait qu'on pourrait voir un gros comeback. Et en termes d'XP ça va aussi hein. Ça va aussi ouais, hein. Ouais c'est vrai, un seul niveau d'avance. Parce que là alors, t'as perdu 5-0. Tout T1 ouais. 5-0 ouais. 5-0 t'as perdu tout T1. C'est clair que ça va. Ouais ça c'est bien, ça c'est important. Parce qu'il est affiché en haut à gauche. On a les 6 cercles de corruption du côté de Gul'dan. C'est rapide. Minutes, quasiment 12 minutes de jeu. Ça reste assez rapide. Ouais c'est clair. Surtout dans des games comme ça où voilà, il se fait zoner. Il met des belles corruptions, Walk. Oh là 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 là. Flèche de reset. Ah mais c'est surtout, il y a tellement de pression en fait. Il faut reculer les Dignitas partout alors qu'il y a le 13 pour Dignitas. Sur Rich. Silence. Il passe. Jay, son stun qui a été anticipé par TST. Ce qui me fait peur, c'est que TST sur son Tyrell, il est. Il gagne tous les main games. Hein. Il gagne face à Jay, je trouve. Du coup le niveau de 13 de Tyrell c'est l'épée de justice. Ah l'épée de justice, le talent 13. Alors comment Dignitas va aborder? On est sur le turtle hein. On essaye d'encaisser, de tenir face aux assauts de Generation. Il y avait plus de gemmes hein, pour Genji. Mais maintenant ça y est, ils ont récupéré ouais, le montant paiement suffisant pour repasser un paiement. Oh là 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 là. Et là il n'y avait 16. Pas le 16 en plus. Après il y a encore le hardcamp mine de rien pour essayer de tanker un petit peu sur cette mid lane. Le problème c'est que voilà, les Dignitas ont envie de fight mais... Oh, regarde le placement des Genji. Il reste derrière leur mur. Et oui, aucune chance. Il leur conseille de rien. Ils retapent parce que c'est vrai qu'on pourrait dire oui, alors, mais ils optimisent pas leurs araignées. Oui mais ils veulent pas se... Ce que j'aime, en fait. Dignitas a très bien réagi. Ils ont directement... Ils sont directement partis sur les side lane parce qu'ils ont vu que Genji jouait trop défensif ici. Et ils ont directement commencé le dépush sur les side lane. Du coup on gagne un petit peu de temps côté Dignitas. Ouais, on assure la défense en zone entrée très haut. Pour niveau 16 pour les Genji, il fait peur celui-là, il fait peur, on a la nimbe, enfin le nimbe de... C'est pas le nimbe de lumière, c'est le nimbe ardent de Tyrell. Attention, l'arc électrique, le double arc électrique, les flèches acérées, le debuff plus le cul qui fait plus mal, et le parchemin. Oh là là, les Walk. Oh, reset. Les deux assassins à distance, on venait de dire justement que parfois, là ces derniers temps, c'était il laissait de l'espace à ses... Alors coéquipier, là il nous a entendu, un Rich reset. Pour une game exceptionnelle, les deux carrés distance de Genji. Regarde Rich, la pression qu'il met, il avance devant tout le monde. Oh, il a réussi, il a eu le temps de sauter, Jack. Il a eu le temps de sauter. Oh, Stitch qui prend midlife contre Reset. Mais il y a trop de poke, ma gars. Ouais, Ubi qui tente, Ubi. Attention à ça. Pas de bunker de craquer, on a le sang-froid. Jay qui tient, l'avatar demi. Jay qui a forcé des trucs, ça c'est important. Jay le stun. Attention à Rich, attention à Rich, attention à Rich. Jay, le 13 de Descartes qui fait mal. Il le kill de récupérer par Reset. Zalia qui avait peur, c'est un je T2 pense. Qui devrait tomber. Ah, et derrière le silence, silence. Oh, Poil qui passe derrière du coup. Ah, le Fear trop tard. Trop tard ce Fear à cause du Lorenado de Sake. Genji pour le moment intouchable. Le oh silence là sur Wubi, l'éclipse des lunes. Wubi, ça tient le stun Kemi, mais Wubi qui tombe finalement. Sanctification de Miss pour continuer le dive. Côté Genji, ils vont aller chercher Stitch très très haut. Mais ils sont un peu enfermés là, les Generation Gaming. Alors, quand même. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ils ont perdu quand même pas mal de temps ici. Hein. Aucun T2 de tomber, hein. Aucun T2 de tomber pour le moment. Là, il y a les Sbirbot, on va perdre le T2. Là, ils vont au moins perdre un T2, minimum un T2 là-dessus. T2 avec la mid lane. Oh, Stitch qui a 67 gemmes. C'est tellement dur pour Dignitas, mais c'est pas encore fini. C'est là qu'on voit que Genji, c'est une équipe incroyable. Hein. Il y a tellement de poke, ce draft est incroyable. Tellement de poke, on le voit à chaque fois. Hein. C'est pas des grosses fights, hein. Ils tuent au poke les Genji depuis tout à l'heure. Et ils peuvent accélérer un coup en fait. Oh là 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 là. 2 T2. Et là faut payer. Après, on a le 16, là faut y aller. Hein. Lorenado pour empêcher. Oh là là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Sake, très très bonne tornade. Snitch. Ah c'est bien. D'accord. On a vu justement l'épée de justice hein, de Tyrell pour voir vite fait si Snitch n'était pas en train de payer en sneaky. Ah, ils sont obligés. Ouais. Le problème c'est que c'est senti. Encore une fois, c'est vu.
Position snitch qui est enfermée. Tiens, Jay, Poilk. Oh, Poilk. Attention, il prend très très cher, Poilk. Il a claqué, la pierre de soin, ça va aller. Rich qui a été bloqué. On a mais dit les mille flèches, c'est pas possible. Reset, il en rate aucun. Jay qui est obligé de claquer l'avatar très tôt. On va essayer de one shot, c'est pas mal. Mais Gul'dan qui tombe sur le mille flèches de Reset. Il est impossible, Kyusha qui tient tellement longtemps. La frappe du dragon qui touchera pas, mais Snitch qui a failli mourir là-dessus. Ah, Ubi qui va devoir mourir. Reset, ingérable Reset. Il est extraordinaire. Il n'y a pas longtemps, Mopsio avait tweeté à son sujet en disant qu'il n'avait jamais vu de toute sa carrière de tank, qu'il n'avait jamais vu un assassin punir autant par le poke. Et tous les tanks occidentaux l'avaient confirmé. Jay le premier, évidemment. Hbou d'Heroes Earth. Et on l'a vu, Reset. Extraordinaire avec son Hanzo. Ah, Jay. Il n'y arrive pas. L'image de cette game, malheureusement, le Muradin qui n'a pas pu s'exprimer. 2-0 pour Genji. 3 balles de match pour les Coréens. Dans cette grande finale, ils sont à deux doigts de faire. Eh, c'est pas mal sur Reset. Allez, ah, Poil qui est mort là-dessus. Il donne du temps. Le bunker va bien. Ubi, il a pas 5 secondes. 5 secondes, Snitch qui tient. Zalia qui a réussi à le protéger. C'est une bonne défense pour le moment pour Dignitas. Kyusha, le bunker pour essayer de sécuriser le kill sur Kyusha. Il faut fight. Attention, Snitch a sorti la contre-attaque. Ça tient, on n'a pas tapé. Ubi qui tombe. Le kill sur Tyrell. Il y a des catapultes sur le corps, 31%. Avec l'explosion de Tyrell. Ça va être dur, Snitch. On va essayer d'y aller. Kyusha Rich qui temporise. Juste les catapultes pourraient permettre de finir. Raynor tombe. C'est le 2-0 pour Generation Gaming. 3 balles de match. Ils sont diaboliques. Composition, mon gars. Cette composition. Deux drafts extraordinaires. Ils avaient pas de réponse, il y avait trop de poke. Le Muradin qui arrivait pas à trouver les stuns, puisque même Tyrell était impossible à attraper avec son épée de justice, justement au niveau 13, son niveau 7. Alors je sais pas si il a pris la Mospin aussi au niveau 7, Tyrell. Ouais, il avait un dicton instantané. Mais Reset, ouais, il était un diable hein, sur son Hanzo. Un diable, parce que j'avais envie de mettre Rich MVP avec Alarak parce qu'il a eu beaucoup de pression. Mais Reset, il rate rien. Et c'est lui qui poke tout le monde. C'est lui qui il mettait des mille flèches. Poil qu'il était hors combat. Ouais, Poil qui... Et même Raynor. À chaque fois, les deux carrés pouvaient jamais taper. Ubi, enfin tous en fait. Le mec, il avait le 16 avant tout le monde presque. C'est très compliqué. Du coup, je pense qu'on peut mettre justement Reset MVP. TR, hein. Il a été. Même la frappe du dragon, bon, elle a. Il y a eu. La dernière de JPL, c'est la dernière également de ce roster, puisque quoi qu'il arrive, il y a un remplacement. Jay arrête après cette compétition et on a envie de le voir partir sur une belle touche, une belle note. Encore un choix de map de Genji. Donc on prend encore le first pick côté d'Initas. Et du coup, je trouve que Genji reprend encore une map où l'aspect macro est quand même plus dur à rentabiliser. C'est bien fait, hein, encore une fois, de la part de Genji. Mais là-dessus, on peut quand même faire des choses intéressantes. On peut proposer des compositions qui évitent un petit peu les shrines, des compositions qui font courir un petit peu l'adversaire. On sait que Dignitas est capable justement de faire ça. Et peut-être que ce genre de composition inquiéterait énormément les Genji. Ouais, le reverse sweep, on a envie de le voir. Ce retournement de situation pour Dignitas, évidemment, il suffit d'une étincelle pour embraser tout ça. Mais pour le moment, c'est sûr que on est dans le creux de la vague et on l'a pris en pleine tronche cette vague. En tout cas, côté Dignitas, ban Genji et Garrosh sur Sanctuaires Inferno. Et côté Genji, on ban le Diablo et le Mediv. Pardon, justement, Maiev, ah Mediv oui, est open ouais. Pour Dignitas. Et en plus, on est sur une très bonne carte à Mediv. Donc on va voir. Et si je me rappelle bien, en plus, le Mediv avait très bien marché contre Genji au MSB déjà. Oui. Ça marchait très bien à l'époque. Et je pense que ce serait ce genre de pick, parce que la noblesse, il a préparé cette finale avec brio, le coach de Generation Gaming. On va voir. Un pick Mediv pourrait justement déstabiliser ce collectif coréen. Après le Diablo retiré, Garrosh aussi, Kerrigan. C'est vrai que ça aussi, ça peut faire mal. Après, on a vu un petit peu Snitch tout à l'heure. Donc j'espère qu'il est chaud bouillant, Snitch, sur celle-là. Il va falloir. Il va falloir. Après Snitch, dans les moments comme ça, généralement il step up. C'est vrai.
Et ce qui est bien, c'est que le collectif lui fait confiance. Il devient godlike hein, sur les moments comme ça. Je me rappellerai tout le temps de son fast stade. Hein. À chaque fois, son fast stade. Et imagine une Kirigan en sans triple mêlée. Imagine une Kirigan avec Medivh et Jay par exemple sur un. Je sais pas. Et Jay jouait Kirigan il y a longtemps. Et il jouait Kirigan il y a très longtemps, Jay. En tout cas, Banamur. Bon, après, c'est un petit peu américain. Non, mais pas ça. Mais je voyais plutôt, tu vois, une Kirigan solo presque. Ah, mêlée, c'est ça. Ouais. Une Kirigan par Wubi par exemple. Ou... Après. Ça va être dur. Wubi il adore les off-tank aussi. Hein. Ouais, c'est un très très gros joueur d'off-tank. Il adore les héros très typés macro. Donc je pense pas qu'on verra ça quand même parce que Wubi a tellement d'impact sur des off-tanks, sur des mêlées qui bougent énormément. En tout cas, Raynor et Irel pour les Generation Gaming. Attention, c'est le moment clé. Ouais, là c'est le moment clé. Qu'est-ce qu'on va avoir comme composition de la part des. Ouais oh ouais c'est ce qu'on attendait. Bien vu. On avait parlé du Stitches et du Medivh. Ce sera pour Dignitas. Et c'est la dernière cartouche dans le fusil. Et c'est celle qui pourrait redonner l'espoir, Terre. L'espoir pour Dignitas. Stitches, Medivh. Ça fait tellement mal en plus, hein, ce combo. Stitches, Medivh fait tellement mal. Medivh, Kirigan aussi. Hein. Extrêmement puissant. Du coup, ce sera Wubi sur Kirigan. Wubi, c'est le moment. It's time. Oh, Tassadar de répondu. Tassadar, mais oui, pour avoir un double support, pour essayer de bloquer justement les go-in de cette petite Kirigan. Kirigan jouée par Wubi. Normalement, hein, ça devrait être pour Wubi. Je pense, ouais. Ouais, je pense. Il est en tout temps. Cas, il est temps. Là, c'est le plongeon de Dignitas. C'est le grand plongeon. C'est le moment. Alors, où tu sautes et il va falloir faire de son mieux. Côté playmaker, c'est possible. Kirigan, Medivh. Stitches, ça peut perturber la composition de Genji Esports. Alors Tassadar, honnêtement, c'est très fort sur Infernal Shrines, on le voit très peu. Et c'est vrai que c'est un héros très puissant, c'est un off support excellent, surtout en late game. Fnatic l'a beaucoup joué d'ailleurs. Mais je pense pas que ce soit une bonne solution. Je trouve que Medivh, globalement, ça se comporte très bien contre un Tassadar. Donc je les vois pas inquiéter aussi la Kirigan. Hein. Elle va avoir tellement de tankiness aussi avec ce Medivh, beaucoup d'escape. On va voir, mais... La composition late game de Dignitas c'est aussi excellente, hein, beaucoup de dégâts. Un Stitches en late game c'est monstrueux aussi Malga, donc on va voir, mais moi j'y crois pas à Tass, hein. Je pense que c'est le moment. C'est le moment pour revenir et ce serait un scénario tellement en plus fou. Et vraiment, la confiance pourrait complètement se retourner si Dignitas revient, parce qu'on peut croire encore à l'espoir. Le public sera derrière eux, c'est certain, parce que pour le moment il est un peu amorphe le public, mais forcément, comme nous, ils sont pour Dignitas. Et même si bien sûr, quel que soit le résultat, on l'a dit, Genji s'il gagne, ce serait eux aussi, hein, ils se sont pas, ils sont entraînés, les deux équipes se sont entraînées, c'est les deux titans à l'heure actuelle de la scène, quel que soit le vainqueur, ce sera un beau vainqueur, encore une fois, même si bien sûr notre cœur est pour Dig, ce serait que Genji, l'année prochaine ils peuvent tout trust, y a pas de soucis, s'il vous plaît, c'est vraiment cette finale qu'il faut laisser passer en fait, vraiment, s'il vous plaît, Genji. Les dieux du Nexus, le Ravenlord, tout le monde, s'il vous plaît, donnez cette énergie à Dignitas. C'est le moment qu'on attend tous. On aimerait voir en plus pour l'Europe, pour la France, pour toute l'Europe et pour les Français, voir Jay partir. Alors, sur une victoire. Wubi sur Kirigan. Jay sur Stitches. Snitch sur Medivh. Hein. Ouais, non, bien sûr. C'est ce là, que, c'est ce le moment. Bloqué, hein. Là, ils vont tout défoncer. J'espère, j'y crois, mais d'un autre côté, c'est tellement dur, et j'espère que Dignitas y arrivera, et encore une fois, vraiment, sur une game gagnée, celle-ci, en plus, si elle est faite avec la manière, en mode instomp, avec Medivh qui passe super bien, Stitches qui passe super bien, le tout s'inverse, le vent tourne, maintenant, faut le réussir sur cette game, c'est le moment peut-être charnière de cette grande finale, l'histoire s'écrit maintenant, Dignitas. C'est sûr, mais ils l'ont déjà fait par le passé, ils sont revenus justement de situations comme ça, justement à l'époque de Mene et Bakery, je sais pas si tu te rappelles, avec Stitches tirant de Keltas, ils étaient revenus de tellement loin, ils avaient remonté tout un loser en bracket. Et contre Misfit à l'époque, c'est ça aussi. Oui. En tout cas, on est parti, Dignitas à gauche avec JPL pour Stitches, Wubi sur la Kirigan, Poilk sur Enzo, Snitch sur Medivh et enfin Zaelia sur Tyrande. Il va falloir leur donner cette énergie à Dignitas pour essayer de revenir dans cette grande finale, Terre. Ouais, du côté des Genji,
On va avoir Sake encore une fois sur des cartes Kayn. Reset sur Tassadar, TST sur Tyrell. Du coup, Reach sur Raynor. Voilà, et enfin, Kyocha sur Irel. C'est plus de l'hyper carry là, c'est de l'ultra carry. C'est du, oui. C'est du giga carry. Ils ont raison. Hein. Un Raynor avec Tassadar, Irel. Des cartes Kayn. Oh, ça passe, oh, ça passe sur Reach. Oh, le combo Reach, oui. Premier sang pour Dignitas, directement, frappe fort. Oh, la JFL toujours aussi fort sur ce héros. Garde l'émotion, hein, forcément. On a envie. On a envie, le combo sur Kyocha qui passe par le portail. Kyocha, oui, c'est ça. C'est ça qu'on veut voir. Dignitas qui attaque parfaitement ce début de match. Mais ils peuvent pas gagner 3-0, bordel. Ah, il est incroyable, Jay, sur ce héros, c'est juste dingue. Le pire, je suis sûr, ça se trouve, il a même pas joué depuis 2 semaines. Et le mec, il met tous les hooks, tu vois. Oh, regardez, vous entendez ça? Vous entendez ça? Ça, ça me rappelle les plus beaux films, les plus beaux moments. Ça me rappelle... C'est le moment, Dignitas. C'est le moment de saisir cette énergie et cette vague de soutien. Early game très bon pour Dignitas. Un petit peu moins d'un niveau. Et Wubi hein, qui a réussi aussi pour le moment. Il a raté le combo sur le deuxième. Le hook sur Tassadar. Rizé qui claque le transfert. 30 secondes CD. Alors c'est possible le stun, hein, mais c'est extrêmement dur. Hein. Il faut que le stun tombe vraiment juste une milliseconde avant la fin du hook. C'est extrêmement dur. Très dur à faire, surtout que là. Et Snitch aussi sur Medivh. Hein. Honnêtement, Snitch sur Medivh, malgré. Il est tellement fort sur ce perso. Ses portails à chaque fois sont incroyables. Et les sauts telluriques hein, à partir du 10. Allez. En tout cas, pour le moment, l'XP est pas si. Si incroyable. Après, voilà, ils prennent ce camp-là qui est quand même important. Ouais. Un camp neutre, hein, mine de rien. Puis avec une compo pareil, ils ont le contrôle de carte forcément. S'ils créent des espaces, attention Jay quand même. Là, l'attaque. Jay, ça va direct la purge de Zaelia. Au niveau 1. Alors le niveau 4 côté Dix, c'est du classique, build tank hein, pour Stitches. Niveau 4 Kerrigan qui hésite et ce sera le Z finalement pour Kerrigan à la classique. Côté JNG, l'armure hein, sur le bouclier, on s'y trompe pas avec. Oh, on va prendre la bonne Tuesday. Non t'as déjà suffisamment de chemin. Donc l'armure pour Tassadar. Et le slow hein, évidemment pour faire proc en permanence l'as dans la manche de Raynor. C'est sûr que l'armure sur Tassadar est quand même très importante ici, hein, quand même, Malga. Avec le burst potentiel des Dignitas en sortie de hook, combo Kerrigan. Puis l'armure, t'as les 15 d'armure de Tassadar plus les 25 d'Irel, plus les 25 plus, ouais. du Raynor. Et les shields de Les de shields Tyrell. De Tass, les shields de Descartes avec le 4, et les shields. Ah oui, c'est très tanky. Hein. Mais c'est pour ça que le Stitches est bien aussi, tu vois. Il peut casser cette voilà, dynamique. C'est ça, il peut casser un petit peu cette teamfight avec des hooks hein. Incroyables. Un saut tellurique. Ouais. Oh, le haut qui passera dommage. Pas, on a plus de stun. Ils passeront pas tous, ils passeront pas tous. Oh, Rizet, ça c'est bien, ça c'est bien. 30 secondes sans transfert, du coup Rizet c'est si fragile maintenant. Kerrigan, 15 squelettes hein, pour les Dignitas pour le moment. Ah, faut dépouche ce camp, voilà, ils le savent. Jay, il faut dépouche ça. Jay, un hook, le portail. Oui, c'est ça. Il n'y a plus de transfert, c'était important le disait. Attention, Zaelia, le bouclier de Medivh. Le bouclier, Jay qui fait opposition avec son corps. Attention, Poilk, pendant ce temps. On est 5v4, le combo roule. Oh là là. Ça passera pas, le portail pour jouer Shrine, faut jouer Shrine. Voilà, parfait. C'est bon, c'est pour Dignitas. Je pense pas qu'ils puissent le contest, quoique ils veulent y aller. Ils veulent quand même y aller en 4v5. Gen.G, ils peuvent, hein. Ils peuvent faire ce genre de choses. Malgré tout, malgré le 4v5. Attention, Stitch, le portail. Il passe. Wubi maintenant. Wubi le portail. Aïe, il tombe. 27. Le hook passera pas. C'est dur. Il y a Rich qui va être en bonne position. Un 5v4 pour les Gen.G. Il faut voler des squelettes avec des flèches. T'as plus le mêlée, hein. c'est pas possible. T'as pas de tank justement qui peut foncer dedans. Ça va être très dur. 30 à 20, 32, 24. Les 1000 flèches. On arrive à en récupérer du côté de Poil. Snitch qui prend des risques. On va mettre à Poil peut-être. Jay qui s'avance beaucoup. 34, 27. Ça, ouais, c'est pas mal. Un petit squelette récupéré encore. Plus que 5. Un nouveau 4. De récupéré par Poilk. 4 Y'a Wubi qui arrive. Wubi est de retour. Kyocha qui est pas bien. Mais attention, Kyocha qui tombe. Oh, et dominateur, c'est pas terminé. Le hook qui passe sur Sake. Derrière peut-être un autre kill. Non, on pourra pas. Mais dominateur pour Dignitas. Touché du maître de Sake pour déjà Stitch. Oh là là. 5 minutes, touché du maître.
Mais il va tuer tout le monde, Snitch. Il va tuer tout le monde maintenant. Et le portail, on se très haut, Rich. Oh, oui, le stun. Ouais, le combo, du coup, il pourra pas l'esquiver, celui-là. C'est bien. Un nouveau kill pour les digues. Il faut y croire. Il a mis avant. Il a mis avant. Le kill de récupérer par Wubi. C'est pas terminé. Kyosha, le portail 5v4 à jouer. Attention, Jay. Kyosha qui tombe. Les Tiditas qui arrivent à tous. Oh, par contre, on a le combo, mais c'est pas grave. 3 kills de récupérer par les digues. On peut y croire. Ça arrête pas avec cette compo. On peut y croire avec cette compo, tu l'as dit, TST qui maintenant se retrouve complètement isolé. Il est mort, hein, TST. Normalement, il est mort. Et oui, il est obligé de passer à droite, mais il y a Wubi qui l'attend. Et un nouveau kill de récupérer. Maintenant, il faut faire quelque chose de ce kill. 10 kills à 1 pour Dinitas. En 6 minutes de jeu, Valga, c'est énorme. Mais il faut faire quelque chose de ce kill. Il faut rentabiliser. Mais regarde, 2 niveaux d'avance avec ce form. Il y a 2 niveaux, c'est énorme contre Genji. Et on transite vite. Et c'est pas n'importe qui. On l'a vu hein, sur les 2 games d'avant. Alors, je peux t'assurer que s'il gagne cette game, Eddie Beban instantanément. Alors que Sitchis par exemple, c'est plus dur à ban. Hein. Ah, c'est sûr, hein. Mais là, Medivh aussi, il a un apport énorme. Il est tellement temporisé. Bien sûr. Oh la chouette. Et là, Rich qui va peut-être. Non, il y a sa team à côté. Il y a sa team à côté. Ah, au passage, intéressant le niveau 7. Pas de A. Oh, reset. Ouais, ça va aller. On a pas entendu de le bruit sur Kerrigan ou... Kerrigan, c'est l'élan des lames. Hein. Plus de combo pour Wubi qu'on voit moins, mine de rien, même s'il est très très fort. Hein, toujours ce talent 7. C'est vrai qu'on aime bien. Le fait d'avoir un A gratuit sur chaque héros. Plus de CC contre ce genre de composition, ça va. La mobilité, ça va aussi parce que t'as un Medivh. Attention, la flèche. Oh, c'était bien tenté. Oh, dommage. C'était bien tenté. Après, on a le camp. Ça, c'est important aussi, mine de rien. Pas oublier que la flèche, quand elle est emmêlée, elle sert pas à grand chose. Donc, même dans des situations comme ça, même si elle est ratée, c'est toujours bien tenté. Puis elle sera de retour avant qu'ils aient le 10 les Genji, de toute façon, vu le retard. Exactement. Puis de toute façon, cette flèche elle est là potentiellement pour initier, mais de toute façon, t'as Stitches pour ça, t'as Kerrigan, t'as un Medivh, t'as le saut théorique, donc Medivh pour le portail, le saut. Le E de Kerrigan qui explose, le shield de Medivh qui explose, je peux dire que ça fait très mal. C'est clair. Parce que le 7, c'est le bouclier qui explose hein, du côté de Medivh. Bill putride, hein, pas de compo, gavage machin, non. Il va s'en servir évidemment pour aller chercher la bille putride. Attention, Jay, le hook qui passe sur TST, c'est un Tyrell qui s'en sort malgré tout. Bien joué TST qui ne tremble pas là-dessus. Un petit peu comme ça. Et la sanctie pourrait temporiser. Hein, il y a tellement de CC. Elle pourrait faire mal. Et elle pourrait ne jamais passer de aussi. De toute manière, t'as les portails. C'est surtout ça en fait. Ouais. Surtout que t'as les portails en fait. Donc tu te commites moins hein, pour Kerrigan. Si Dig joue... Oh, il va le reprendre. Ils vont le feinter. Ils ont feinté. C'était tellement smart. En mode on s'en va. Mais en fait, non. C'était bien pensé, mais ça passe pas. Alors, ouais, si on aura le saut théorique, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Mais... Surtout contre Parce que le chip sur les enchaînements CC, c'est très fort. Mais là, contre double sup, saut théorique, c'est juste le must. T'isoles un mec, tu le défonces. Ouais, c'est clair. T'isoles un mec, tu le défonces. Hein. Je pense qu'on a suffisamment cast du double support l'année dernière. Ouais. Même si c'est vrai qu'on en a moins vu cette année. Medivh, ce sort est tellement fort. Et le vin, godlike. Le Medivh triche. Le hook. Oh là là, c'était sur Kyosha. Très bien pensé. Allez, la flèche qui vole quelques squelettes. Attention, Booby, ça tient. Parce que la Stitch aussi fait beaucoup de dégâts maintenant. Ouais, bien joué, bien volé par Jay avec le set. Attention Wubi qui a raté le combo, mais il a les dents des lames, hein. Il aura un autre combo bientôt. Kyosha, très agressif, très entrepreneur. Attention Wubi qui prend très cher, le bouclier. Il y a un portail, est-ce qu'il prend la tête? Il y a le Renado. Wubi, le combo, le saut tellurique qui suffira pas. Wubi est mort, il faut réussir à prendre un kill sur TSI. La sanctification qui est mise maintenant. On va aller chercher Zaelia, le bouclier de Medivh, demi Zaelia qui va tomber là-dessus. Sur Reset, t'as plus de protection. Petite erreur de Snitch ici, hein, le portail qui a pas forcément été très bien mis. Ah, Lorenado qui a complètement bloqué. Il était un petit peu loin ce portail. Et là ça coûte cher. Ça coûte un dominateur. Après voilà, il y a la pression sur la top lane, il y a le hard camp. Snitch est déjà en train de partir en bot pour aller sauter le niveau 13. Peut-être qu'ils vont laisser à 39 même pour essayer de se grouper. C'était un super timing pour Genji, hein, mine de rien, puisque les Genjis sont. Il y avait le 10 qui venait d'être récupéré, le 13 n'était pas encore là pour Dinitas, donc c'était le meilleur timing pour Genji. Ils n'ont pas attendu hein, de dépush, ils veulent tout de suite reprendre l'XP avant le 13. On avait deux niveaux d'avance pour Dinitas, maintenant on n'en a plus qu'un. Voilà, très bon pool. Wubi qui est là, attention. Attention Wubi.
Oui, qui a pris très très cher. Lorenado de Sake, Jay qui prend, qui met la ville putride. Il va s'avancer, il va s'avancer. Le portail de Stitch n'est pas forcément dingue. C'est une bonne défense, c'est une bonne défense. On a le niveau 13, côté Dignitas. Oh le Dismount, oh le Dismount. Eh bah, superbe. Elle passe, est-ce qu'on pourra prendre le kill? L'ardent défenseur qui proc. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Le combo en sortie. Super, super. Le portail maintenant. Tiesti, il y a le niveau 4. Hein. Le niveau 4, le corbeau qui slow plus la chouette maintenant. Tiesti qui esquive le stun. Tiesti qui se retrouve bloqué. Le kill de récupérer par les Européens 2-0 là-dessus. C'est chouette, hein, aussi, Zalia. Très bien timé à chaque fois. Et puis c'est chouette de voir Dignitas gagner le fight aussi. Double chouette. Lac de merde, mais il faut décompresser. Non, mais en tout cas, côté Dig, on va repartir vote. Un niveau et demi, un petit peu moins, un peu plus d'un niveau d'avance. Niveau 13 très important, hein. Réduc CD sur le shield. Ouais, très fort sur Medivh sur niveau 13 aussi. Le sac à puce pour Stitches, plus de hook, plus de Z. Qui font proc, hein, mine alors, de rien. Suite qu'un Egan, c'est... C'est le bouclier plus rapide, c'est plus de burst bouclier on va dire. Il dure moins longtemps le shield, mais il le stack plus vite avec ses dégâts en fait. D'accord, c'est pour mieux tanker l'arena globalement. Mieux tanker sur ses engages, hein, je pense, hein, ouais. Vraiment, de manière générale. Allez, en tout cas, le easy qui est volé. Et du côté de Genji, on n'en a pas parlé au niveau des ultimes, mais on a la sanctification, l'Arconte, Banshee, Ardent Défenseur et Lorenado. Et la Banshee qui check. C'est ça, contre un Stitches. Bah, t'as aussi. On va dire, c'est une hitbox qui est devant, donc un hook qui peut être bloqué, mais également de la vision. Et pour Stitches, la vision, c'est primordial. Attention. TST qui profite de son épée de justice, son niveau 13 pour repartir. C'est tendu, hein, c'est tendu évidemment. Oh là la poêle! Oh là 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 là! On accélère d'un coup! Avec l'os dans la manche qui proc évidemment. C'est tellement mal à Raynor, hein. ce combo. Hein. Là, il a perdu Fatal Crit, le Q-Spell. Et Tyrell hein, qui a fait très mal. Hein. Tyrell ouais. A fait très très mal, il l'a surpris, burst. Vindicte en plus. Ah c'est bien ça, ça c'est bien. Ça c'est bien, beaucoup de PV pour Jay, mais également 10% de move speed TR. C'est excellent, c'est très très fort avec la build en plus, t'imagines, hein, la move speed avec la build commence, c'est très important. Ah, mais après ça se cumule pas et la build donne déjà de la move speed. Ah. Ah c'est vrai que ça se cumule pas, ça se cumule pas la move speed. Ouais, c'est vrai. Donc il a 20%, vrai. Mais de base, ouais. C'est 10% de move speed. Hein, ouais, c'est énorme, c'est énorme. Après on va voir maintenant ce qui va être fait du côté de. De Dignitas, le 16 arrive, quasiment deux niveaux d'avance hein, suite à ces bonnes rotas des Européens. Et on y croit encore, TR, on y croit encore. Et cette game. Deux niveaux d'avance. Le portail pour aller encore plus vite. Portail 16. Oh, pop. Et voilà à quoi sert la Banshee aussi. Ouais. On l'avait dit. Et l'hameçon, hein, du coup, la portée au 16 pour Jay. Mais il y a le sac à puce pour Banshee, plus de CD. Hein. C'est bête, mais c'est beaucoup de DPS en moins, beaucoup de vision en moins. Oh, portail. Qui a pas utilisé. On a le 16 hein, sur le portail, attention le V-in demi, que chaque est prend cher, le combo, l'ardent défenseur, il avait anticipé. Il a le sac à puce. Il va avoir un hook bientôt. Jay, le hook qui passe. Switch. Il faut le sécuriser, le kill, la flèche qui passera. Mais ça suffit pas, le saut Eric uniquement sur Tyrell. Le Lorenado il est beau. Stitch, attention, ça tient du côté de Ubi. On a forcé le transfert, le hook qui passe sur Rich. Oh le combo de Ubi qui est loupé. Mais Rich qui a pris très très cher, attention Rich. Reset n'a plus de hook. Il faut qu'il prenne le hook, il y a le sac à puce, réduction de CD sur tous ses sorts, on va pas pouvoir jouer au 5 coeur. Non c'est pas possible, en plus la Solar n'a plus de. Là il y a encore 10 secondes de CD, ouais, on va devoir des push comme aller. Et le hard camp en plus. Ils peuvent laisser oh, on va stopper la rotation. Ils peuvent laisser Wubi seul, c'est bien allez, pensé ça. Allez ralentir ses rotations. Oh là là. Tellement de. Bah non mais ce genre de pick c'est trop playmaker, hein. C'est impressionnant. Clairement. C'est vrai que Stitches Medivh c'est tellement fort. Surtout dans les mains de ses joueurs, parce qu'on pourrait dire c'est super fort. Essayez ça de votre côté, vous verrez à quel point c'est fort. À quel point vous êtes nul. Ouais. C'est plus ça. Et nous tous, hein, quand on veut dire, c'est super dur. C'est. Je crois qu'il y a que cette équipe qui peut jouer aussi bien ce genre de composition. Côté dig. Parce que Genji avait tenté ce genre de truc. Ils avaient tellement pris dans les dents qu'ils avaient essayé ce genre de truc. C'était bien, hein, mais jamais au niveau. Alors, de attention, est-ce que le wall est déjà tombé, Malka? Il n'y a pas de 16 pour Genji. Hein. Et il y a un hook, du côté de Jay, un portail pour mettre de la pression. Le hook qui passera pas de Jay. Ah, c'est bien tenté, c'est un blind. Le portail. Il faut que Jay prenne le route limite. Il faut qu'il rentre dans le route, Jay. Hein. Renado, le T2 va tomber. On zone tellement haut. Regardez cette pression. Oh, le transfert. Le transfert du côté de Tassadar. Wubi qui met de la pression sur Rich. Le pool du dominateur.
La ville putride du côté de Jay. On saute tellement haut. On va peut-être corps. On va voir. Le hook parfait. Surich, Rich, ça passe. Surich, est-ce qu'on pourra sécuriser le kill sans que tu. Ah, oh, stage, elle est belle. Et on enlève. À la sortie, ça va faire mal. À la sortie, ça va faire mal. Kyosha. Kyosha qui a l'ardent défenseur. Non, pas encore. Oui, Kyosha. Il n'y a pas d'ardent défenseur. Le kill qui est pris par Dignitas. Le portail. Le portail. Le hook qui passera pas. Mais on va aller sur le corps. Côté Dignitas. 5v4. Jay reste dans ce route. Voilà. Le 13 qui proc. Pour Jay. Reset. Qui a claqué l'arconte. Un hook. Un hook, Jay. Un hook. Un hook. Qui passe sur Reset. Le transfert. D'utiliser. Le corps a plus de shield, Malia. Le corps a plus de shield. 68%. 60% sur le corps. Wubi, 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 Wubi. Wubi. Wubi qui tombe. Est-ce qu'on pourra finir du côté des Dignitas? 80% sur le corps. On est mis le bouclier du côté de Tassana. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Jay. Jay, Steve, Jay, Lia. Allez. Jay, il faut finir. Il faut le finir. Et shield de il faut le finir. Stitches. Stitches, 3%. Allez. 3% sur le corps. Oh non, mais c'est fini. Ce qu'ils pourront passer avec le top. Camp top. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. 30 secondes à 20 secondes à tenir. 25 secondes à terre pour Dignitas. Est-ce que ça suffira à côté de Genji? Est-ce que non, ça suffira? Ils pourront pas. Ils pourront pas. C'est T2 Max. Je pense qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas finir. Même en allant le plus vite possible, c'est pas possible. Il y a la stase de Medivh qui est déjà là, Malga, pour temporiser. C'est pas possible. Il y a la build pour défendre. 20 secondes, hein, Medivh. Hein. 20 secondes. Hein. C'est vrai. Je pense qu'ils vont tester. C'est très dur. Ils vont tenter. Les Genji. Ils mettent un petit peu de temps à finir. Kerrigan est de retour. Anzo est là. 10 secondes avant les renforts du côté d'Initas. Genji qui va tenter d'être champion du monde sur ce rush, sur le corps. Genji, Wubi, il faut y aller. Attention, Poilk. Oh là là, Poilk qui s'en sort. Poilk s'en sort, Wubi. Il va falloir mettre ton meilleur combo. TST, ça tient pour le moment. La flèche sur Sake. En pourcentage, on est à 50% sur le corps. 50% la sanctification qui a été mise sur Telluric. Il vient pas passer. Il faut des fatigues. Raider qui tombe. Est-ce qu'on pourra tenir des cartes qui tombent? Genji qui est à 5% sur le corps. Ils vont le faire. Generation Gaming qui est champion du monde là-dessus, sur la game la plus difficile peut-être de leur carrière. 3% sur le corps pour Dignitas. 3%, 3 petits points de pourcentage. 3-0 pour Generation Gaming. C'est tellement dur. On aurait voulu que cette fin, la fin de ce roster, on aurait voulu voir Jay finir sur une belle note. Si cette game avait été gagnée par Dix, ça aurait pu changer beaucoup de choses. Mais 3%, 3% TR, 1% MSB, 3% sur la BlizzCon. Après voilà, c'est un beau vainqueur évidemment, Generation Gaming. Un très très bon vainqueur et Noblesse est là aussi sur scène avec eux, forcément. Tellement dur pour Dig. Tellement dur pour Jay. Ladies and gentlemen, give it up for our global champions of 2018, Genji! 4 fois champion 5. Du monde d'affilée. Ah oui, d'affilée. 5 finales perdues pour Snitch en championnat du monde. 5 finales perdues. All right, and here to congratulate our team. Oh wait, come back guys, come back. La petite interview évidemment come du back, groupe. Et il partait déjà. Here to congratulate our team. Et bien sûr, félicitations à Genji hein, qui a été extraordinaire. To the stage, as well as product manager from Esports, John Timorian. Please guys, come on up. Let's congratulate this team. Well played. What an amazing cette équipe qui a cassé tous les records. KO. Thanks, Kevin. Thank you. Man, can you believe these games? Thank you so much, everybody. On behalf of the Heroes of the Storm team, I want to congratulate all the players on some amazing games. This has been such a great season of HGC. J'avoue que j'ai pas envie de traduire. You and all of you. Thank mais bon, you so voilà, much. C'est l'équipe eSport qui félicite les Genji et ils le méritent, évidemment. Team Genji. Genji a été incroyable. Seems like it was only a year ago that you guys were standing right here waiting to et ils étaient déjà là l'année dernière, hein, gagné avec MVP Black. Champions. So since then, it has been absolutely inspiring to watch you define what it means to be a world-class competitor. Sans traducteur, ça so it couldn't un peu be with dur. More pride that I congratulate you here today as being the now two-time 2018 HGC Finals champions.
Sakié qui est pieds nus hein, quand même. Hein. Sakié est pieds nus. All right, BlizzCon, one more huge cheer for Gen.G. On peut les applaudir quand même hein, parce que ils cassent tous les records les mecs. Hein. Je crois qu'il y a une question concernant Tassadar parce que j'ai entendu Tassadar. Le capitaine Sakié. Homme du tournoi, homme du tournoi Sakié. Exceptionnel. Hein. Même les Lorenado hein, qui ont permis de l'oublier et qui ont changé beaucoup de choses. We just had to defend no matter what. So that was our sole focus. Once we realized we only had 3% left on our core. We were like, if this gets any longer, if the game gets dragged any longer, there's no chance for us. So we gotta, kill the core now. Défendre ce corps. On faisait même plus attention au pourcentage du corps. Et quand on a vu que justement notre corps était à 3%, on savait que si la game allait durer, c'était vraiment pas bon pour nous. Somehow, et justement, on a foncé hein, sur leur corps et on a fini par le tomber. C'est vrai que c'était tellement serré, tellement. Une fin difficile aussi, hein. Cette game, Mais ils ont raison, en plus. Même là, ça, ils l'analysent. C'est-à-dire que si ils savent très bien, ils sont réalistes, si cette game dure plus longtemps, c'est perdu. Là, 3% de corps, 3%. Avec un portail Medif, c'est terminé, hein. Ça va très très vite. C'est pour ça, Alors, il parle de Ballistics. Je pense que ça va être une question pour scène coréenne, probablement. Scène mondiale au final, puisque Noblesse a été champion du monde aussi. Peut-être avec Noblesse aussi, une question pour Noblesse. Ah! De toute façon, on a le problème. Non, mais c'est normal, c'est normal. C'est que tout à l'heure, Saki, on lui a passé le micro. Oui, c'est ça. Heureusement, il y a le traducteur. Mais on aura le traducteur. Heureusement. Merci, mec. Initially, I didn't really have the confidence to do so, but after accomplishing one championship after another, I started to learn a lot through these events, and also I have done a lot of research back in my lab, and then we were able to make this accomplishment all together as a team. So I think that's how we were able to control and showcase what the definition of Korean meta is. Ah, je crois que compris la question. C'était qu'en fait, ils étaient champions du monde avant. Ballistics les a enlevés de leur piédestal, leur a pris la couronne. Et comment ils ont fait pour revenir, même au niveau de cette époque, comment ils avaient fait pour revenir parce que Rich avait fait une pause. Je crois que c'est ça, en fait, la question. Il parle aussi de la méta confiance aussi en soi, et c'est vrai qu'à force d'être au sommet, ils trust, on va dire, ils ont confiance en leur méta aussi globalement. Et tous ces événements internationaux qui les ont forgés, hein, ce que disait Rich, qui leur fait apprendre énormément. C'est juste dommage que Noblesse soit pas là. Il n'a pas été ramené, Noblesse. Le problème, c'est qu'il vu qu'il a normalement pas roulé avec les joueurs après le draft. Le coach normalement ne respecte les joueurs après le draft. Ah ouais. Il est là juste là pendant le draft. Ouais. Et vu qu'il n'était pas forcément sur scène, on s'en fout du protocole. Alors là-dessus, c'est Noblesse, hein, s'il vous plaît. So after prior to the start of fifth set in the semifinals, our coach Noblesse came up to us and he said, if we get this through somehow. And we reached the finals, we're definitely gonna take this home. So, you know, guys, just hold tight and let's grind this out and get this Braxis holdout win. Okay, so, super. We were able to pull that off. And unlike what the score shows, the games themselves were very arduous. So, we believe that it was a difficult feat that we accomplished today. Très intéressant.
Ouais, donc ils expliquent justement que Noblesse était venu parler à son équipe en disant au 2-2, au 2-2, on rappelle le contexte. Sur la cinquième partie de la demi-finale en disant ok, si vous arrivez à passer justement ce stade, on a suffisamment appris derrière pour repartir et ramener la coupe à la maison sur la finale. Si vous gagnez Braxis, on est champion du monde, on ramène la coupe à la maison en fait. C'est cette victoire contre Liquid en demi serait à ce moment-là le déclenseur et plus rien pourrait nous arrêter. Donc allons-y, fonçons, Braxis elle est pour nous. I really want to express my deepest gratitude for all the fans' incessant support. And I think as a team, we have delineated today that the least thing you can do is worry about Genji. Alors, ce qui est beau aussi, c'est de se dire que... Voilà, c'est dommage parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de supporters. Hein, les Coréens, très souvent, oui, tout le monde est pour l'Europe.